Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui mercredi 20 mars pour une nouvelle vidéo Point de Croix. Et là, je vous tourne la vidéo de l'événement que je pas enfin de l'événement de Roselyne parce que je participe à son événement. Voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos où elle explique tous les détails de l'événement. Il y a une vidéo où elle explique. Donc voilà, donc moi. Étant donné que je n'avais pas vu cette vidéo, j'ai demandé à Roselyne comment ça se passait son événement. Et elle m'a dit, elle m'a expliqué, du coup moi je pars sur cette toile-ci que j'ai reçue en partenariat avec la compagnie Seven Grit. Donc voilà. C'est une 25 par 26, 14 CT. Et je vous mets la référence là de la toile pour celles qui veulent l'acheter ou la prendre en partenariat. Voilà. Donc, c'est une toile qui se compose que de points normaux. De points. Il n'y a pas de backstitch. Il n'y a vraiment rien. Oula. Voilà. Il n'y a pas de backstitch, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment que du point de croix traditionnel. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer. Alors, on va commencer par quoi? Moi, je suis bien tentée par commencer avec. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Hein, parce que ce symbole-là ressemble à ce symbole et il y en a dans le feuillage. Il va falloir que je fasse gaffe. On va déjà commencer par la couleur 12, 33-48, comme ça m'enlèvera un peu. Donc 12, c'est un vert clair. Je vais prendre juste mon aiguille de tout à l'heure. Oh, elle est où? C'est celle-là. C'est celle-là. Alors, 12. Pourquoi je pose mon aiguille? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je ne sais pas si je vous ai dit de combien de couleurs elle est composée. 17 couleurs. Donc, c'est une toile qui va quand même aller assez vite. Vu que c'est que du point normal. Du backstitch, enfin du juste des croix, voilà. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point de nœud. Peut-être que je rajouterai, peut-être, je sais pas encore. J'avais l'idée de rajouter quelques perles, peut-être, mais c'est pas sûr. Je sais pas. Je ne sais pas encore. On verra. Mais je pense que je vais la laisser comme ça. Parce que je crois que. Je m'étouffe à moitié. On commence. Écoutez, on va commencer là. Oh, je vois pas bien les symboles. Ouais, là. Ok. Alors ça, par contre, ça, j'avais pas fait gaffe qu'on distinguait pas vraiment ce symbole. Bah, après, on le voit. Mais on le voit pas bien. C'est parti, les amis. On commence pour l'événement de Roselyne. Ouais. Est-ce que vous le voyez mieux, vous, en vidéo? Ouais, vous le voyez vachement mieux que moi. Hein. Alors, je ne sais pas pour celles qui ont cette toile, si vous avez le même souci que moi et que vous ne voyez pas bien les symboles sur cette toile, dites-moi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pris cette toile. Mais ouais, je crois que j'allais faire en priorité ces points. Hein. Comme ça, je serai tranquille.
Je sais pas. Donc là, ça repart comme ça. Ouais, limite, j'aurais pu la faire en point compté, cette toile, en fait. Mais bon. J'avais vraiment pas fait gaffe. D'habitude, je regarde toujours les symboles qui se ressemblent pour justement faire gaffe. Et là, j'ai pas fait attention, à moins que je vous l'avais dit. Parce que à part le vert tout clair là, que vous voyez là, et le vert là, on discerne bien. Mais alors, ce point et ce point, ils sont ensemble, il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Vraiment, faites attention à ça si jamais... parce que moi, je ne les vois pas bien. Parce qu'en plus de ça, on a les petites hachures du 11 à côté. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Ouais. Vous voyez, là, j'ai une petite hachure. Et en fait, c'est... ouais. Il va falloir que je fasse gaffe. Donc, on va se concentrer un petit peu... Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas encore. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point 14 CT que j'ai du mal. Ça c'est possible. Ah, je trouve pas le trou. Voilà. Ou alors c'est peut-être à cause de ma lumière. Ah voilà, là je vois mieux. Ah bon, je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que... Ouais. Voilà, vous voyez quand même bien. Bon, il fait pas trop... Enfin, il y a du soleil, mais... un peu de nuage aussi. Non, vous voyez pas du tout ce que je fais. Alors, 2 minutes. Est-ce que vous... Ouais, là, vous verrez peut-être mieux, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas comment filmer. Tac. Tac. En tout cas, c'est un très très beau vert. 33-48. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que je veux. Hein. Mais en tout cas, je vais essayer. Là, demain, j'ai ma nouvelle case qui sort pour mon... ma toile que je fais moi toute seule avec... le dragon, les dragons et les petits ours. Ah, je commence à avoir une migraine. En ce moment-là, les migraines, je les enchaîne. Ah bon. En plus avoir mal au dos, alors est-ce que c'est un rapport? Je ne sais point. Ouais, elle va être cool cette toile, une fois terminée, elle va être très très belle. Moi j'adore, en tout cas. Après, est-ce que je vais réussir à terminer les deux toiles? Ça c'est une autre affaire. Ou alors je fais une semaine sur une semaine sur l'autre. Ça c'est faisable aussi. Je fais une semaine sur deux, j'avance. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, jusqu'à mercredi prochain, je vais avancer sur ma toile
moi, dans mon événement à moi. Semaine d'après, j'avancerai sur la toile de Roselyne. Par contre, je participerai pas à l'été parce que je n'ai pas la toile encore de l'été de cette collection-là. Donc peut-être que je, ouais, faut que je voie avec Roselyne si c'est. On peut sauter des saisons. Parce que je l'ai pas vue encore la toile, donc je la cherche. Hein. Peut-être sur AliExpress, faudrait que je regarde. Et comme ça, je pourrais me prendre les trois. Automne, hiver et été. Ça serait cool. Hop. Ouais, je sens que j'ai avoir du mal avec ce symbole. Mais bon, écoutez. On va faire ce qu'on peut. Non, c'est pas là qu'il fallait que je pique. Donc vous allez voir de nouvelles toiles dans la à la fin du mois. Hein. Vous allez voir les avancées et tout. Du mois, il y a deux nouvelles toiles qui sont rentrées. Trois nouvelles toiles qui sont rentrées sur la chaîne. Ça c'est cool. Comme ça, vous voyez pas toujours les mêmes. En plus de ça, j'ai bientôt terminé ma toile d'épée Casa de Papel. Donc écoutez, ça veut dire que je vais pouvoir faire une autre toile. Et je ferai la préparation des diamants avec vous. Je pense que je vais reprendre les préparations diamants. Dès que je commence une nouvelle toile, hein, comme ça au moins. Bah, quand je vous montrerai pas les diamants, et bah, au moins vous voyez les couleurs. Hein. Donc là, je vais peut-être me préparer une toile. Je ferai la vidéo, par contre, je sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo. Je ne sais pas. J'ai bien envie de préparer déjà une toile que j'aimerais faire. Et ouais. Là, je vous ai tourné un unboxing tout à l'heure. Et en fait, quand je vois cette toile, je vais vous montrer le dessin. Voilà, regardez bien la toile. Maintenant, je vais vous montrer un DP. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Il n'y a pas une ressemblance par hasard. Ben moi je trouve que ils se ressemblent pas mal. Il y a les fleurs, la forêt. Ouais. Et en fait, quand là je viens juste d'y penser que je me suis dit, mais attends, mais ça ressemble fortement à la toile que tu as fait en unboxing. Mais. Je vais pas faire une toile.
Enfin, vous verrez en décalé les vidéos parce que la vidéo des DP, je vous la mets. Je vous l'ai pas encore sortie. Je pense vous la sortir la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Mais vous allez voir cette vidéo avant le unboxing. Voilà. Et voilà, voilà. J'avais un petit peu zappé qu'il y avait les événements. Là, l'événement de Roselyne et le mien. Donc, il faut d'abord en priorité que je mette ça sur la chaîne. Donc, on va finir le fil. Écoutez, là, j'ai un petit point tout seul. On va faire les petits points qui sont tout seuls. Hop. Mince. Mince de mince de mince. Tac. Là, il y en a un. Tac. Tac. Le prochain, il est trop loin. Forcément. C'est pas grave. Allez. Tac. Tac. Alors, j'en ai un. Ouf, ici. Il faut aussi que j'avance ma toile Panthère hein, avec le numéro que vous m'avez donné. Oh, j'ai pas encore fait ça. Aïe aïe aïe, je suis vraiment en retard oh, cette semaine. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, mais lundi déjà j'avais pas le temps. Et puis, ouais, lundi j'avais pas le temps. Et du coup, j'ai pas broudé lundi. J'ai vraiment rien fait. J'ai même pas fait de DP. Hein. Pour vous dire. J'ai rien fait. Tac. Ensuite. Tac ici. Et voilà. Elle est confetti sans être confetti cette toile. Oh, désolé. Je suis un peu enrouée. Ouais, non, mais si là je commence à faire une gros, trop grosse traînée. Donc je vais coincer mon fil. Et là, j'ai dit les petits chapeaux. Et les petits chapeaux, il y en a ici. Allez, hop. Ouais, je crois que je vais faire tout ce symbole déjà. Parce que j'ai bien l'impression que ça va être un petit peu compliqué. Hein. Tac.
Ouais, donc là, peut-être que le restant de la semaine, vous aurez des vidéos. Déjà, il y a deux unboxings. Il y a deux vidéos sur les toiles, là, printemps. Et il y a la vidéo. Ah oui, sur 5 jours, vous allez avoir des. Ah, écoutez, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais. Je vais me débrouiller. Tac, tac. Je vais faire mon petit point de croix et on verra quand vous aurez la vidéo. De toute façon, j'essaie toujours de vous dire un peu les dates. Comme ça, bah, s'il y a un trop gros décalage, bah, vous voyez à peu près où à quelle date je filme. Et moi, je filme pas la veille pour le lendemain. Donc, en général, ouais, c'est pas ça que je fais. Je filme. Pour avant, vous avez vu des vidéos mercredi, dimanche, mais maintenant, en fait, j'ai trop de choses à vous montrer, à vous dire. Bah, parfois, il est possible que vous ayez la vidéo là, en fait, hein. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Et lui, il coupe plus. On va essayer de le coincer encore ici. Ah, voilà. C'est bon. Allez. Tac, tac. Ah bah écoutez, on va continuer avec ce fil. Parce qu'il y en a partout en fait, hein. Il y en a ici, il y en a là. Là, on les voit mieux qu'en bas. Ouais, je vais peut-être faire tout ce symbole déjà. Ouais, je vais faire ça. Allez, on se refait un petit fil et puis après, moi je vous laisse là. Oups. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Bon, je reçois des messages, hein, mais ça attendra. Alors, il faudrait que je trouve aussi un moment pour parler du questionnaire avec Elisa. Pour notre colis. Pour faire comme un petit genre de swap. Après, j'ai un peu réfléchi. Je vais faire. Je vais plus faire. Enfin, je vais plus acheter de trucs de scrap en fait. Je vais. Si c'est un truc qui me plaît, je vais le prendre. Mais en fait, je vous disais que je vais reprendre le scrap, mais en fait, non. En fait, non, parce que j'arriverai plus du tout à suivre. Non. En fait, non. Je vais juste faire mes photos que j'ai envie de faire.
Bon, c'est beaucoup des photos que je décore. Et voilà. Je vais vraiment me consacrer qu'au DP, point de croix et colo. Colo, c'est pareil. Il faut que j'achète. Je voulais acheter mon livre Famille. Mais il n'était plus dispo. Du coup, ben. J'attends un peu, mais je l'achèterai quand je l'achèterai, c'est pas grave. Ah, il était plus dispo, donc bon. Après, je peux pas retourner hein, voir. Et s'il n'y est pas, il n'y est pas. Hein. Tant pis. Je vais juste me moucher 2 secondes et je vous reprends. Donc me revoilà. Tac. Tac. Ensuite ça part de nouveau comme ça. Ouais, j'aimerais bien tester les fils de soie aussi. Donc peut-être que je m'achèterai une toile en fil de soie. J'en ai vu une avec des bonbons et tout, des sucettes. Oh, elle est magnifique. Je l'ai vue sur Vip, Cross Stitch, me semble-t-il, ou Seven Grit. Je ne sais plus. Mais je ne sais pas s'ils font en fil de soie. Mais elle est trop belle. Et en fil de soie, je me dis que ça pourrait rendre bien. Après c'est possible qu'elle est passée sur YouTube mais que je ne suis plus abonnée ou que je n'ai pas regardé les vidéos hein, parce que moi quand je fais le ménage du printemps je fais tout en fait, les abonnements YouTube, tout, je remets à jour un petit peu mes trucs. Là, je suis en plein nettoyage de printemps, donc je l'étale sur plusieurs jours, hein, voire plusieurs semaines. Donc voilà. Je me donne tout le printemps pour faire un bon gros ménage. Et comme ça, voilà. Donc c'est possible qu'elle soit passée, je sais pas si vous voyez la toile que je parle, je sais pas si elle est passée sur YouTube ou pas, peut-être que oui. Mais je crois qu'elle existe en fil de soie, il me semble bien que oui, parce que je l'ai vue sur AliExpress. Donc, au pire je la commanderai là-dessus. Mais elle est magnifique, magnifique. Avec plein de bonbons, des chocolats, des sucettes, enfin plein de gourmandises, même une glace. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai flashé dessus. Et moi, j'ai mes petits... Je regarde... Pas toutes les vidéos point de croix, hein. Faut pas non plus, hein. Sinon j'ai plus de vie moi. Mais en ce moment je regarde beaucoup de DP, donc voilà. Donc je ne suis plus trop le point de croix là pour l'instant. Je suis dans ma période DP. Ah, y a des périodes comme ça. Hein. Oh, j'ai envie d'acheter plein d'épées, j'ai envie de faire plein d'épées, j'ai envie, je dors d'épées, je bois d'épées, je vis d'épées en ce moment. Point de croix. C'est vrai que j'en fais, j'avance, mais vraiment doucement. Et voilà. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Je vais pas me mettre la pression. Là, dimanche, vous m'avez donné plein de cases. Mais j'ai encore rien fait. Et on est mercredi.
Donc vous voyez que vraiment le DP là il a pris le dessus. Alors est-ce que quand j'aurai fini ma toile Casa de Papel que je fais pour mon fils, est-ce que j'aurai toujours cette période? Mais là actuellement j'ai envie de faire que du DP. Voilà. Donc j'avance aussi mon battle. Je fais avec les copinettes. Et c'est vrai que je vois mon équipe, elle avance bien. Il y a juste moi qui n'avance pas en fait. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Allez, oh là là, je reste coincée. Je vais faire ces points d'abord. Comme ça, je vais faire tout le tour. Je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Ouais. Puis après, je pense que je vais vous laisser là. Dès que j'ai terminé mon fil. Alors, je suis contente parce que là, c'est le printemps. On a des cerisiers. Moi, j'appelle ça des sakuras. Et en fait, c'est des cerisiers de chez nous. Ils sont en fleurs. Et quand les feuilles tombent, enfin, les petites fleurs tombent, ah, c'est magnifique. J'adore, moi, les sakuras. J'adore, j'adore. Trop beau. Et d'ailleurs là, sur cette toile, on en a un qui est là. Alors, après ça, c'est peut-être des pommiers. Je ne sais point. Mais c'est vrai que les fleurs du sakura, elles sont roses. Elles sont magnifiques. Magnifiques. J'adore, moi. Moi, j'adore. C'est d'un rose pâle, mais pas un rose pétant pétant. Hein. C'est vraiment un rose très pâle, un peu comme celui qu'on a sur cette toile-là. Mais c'est magnifique. J'adore. Enfin, c'est des cerisiers sauvages, hein, je pense. C'est pas des cerisiers avec qu'on peut manger. Hein. C'est des petites cerises. Je sais pas en fait si on pourrait les manger ceux-là. Je pense que oui, mais bah, par doute, hein, on va pas les manger. Mais encore, je suis même pas sûre si c'est des cerisiers. Je pense que si, parce que il n'y a que sur les feuilles de fleurs de cerisier que les fleurs tombent. Hein. Ah, ça fait une pluie de fleurs comme ça, c'est oh, magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Chaque fois que je passe, que j'emmène mon fils à l'école, oh, je pourrais rester là pendant des heures à regarder les feuilles tomber. Et les fleurs, pas les feuilles. Alors, bientôt, bah, il y aura plus, ça va plus tomber, hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Les fleurs ne tomberont plus, elles vont
Ah, voilà. Après, ça, c'est la fleur en fait qui fleurit mais qui tombe quasiment. Ça fait déjà 3 semaines, 2 semaines qu'on a les fleurs. Pour l'instant, il y a toujours une petite pluie de feuilles, fleurs. Feuilles, fleurs. De fleurs. Mais je trouve ça magnifique. Magnifique. Alors, j'ai vu des toiles avec des cerisiers. Hein. Mais c'est des toiles sur le thème du Japon. Peut-être que je craque. Je vais peut-être craquer pour une. Elles sont grandes. Elles sont très, 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 très grandes. Et je crois qu'il y a les 4 saisons comme ça. Il y a printemps, été, automne, hiver. Et alors l'automne, moi j'adore. Franchement, j'adore avec les feuilles de toutes les couleurs. Moi j'aime beaucoup. L'hiver, j'aime pas plus que ça. Quoique en ce moment, je commence à aimer bien l'hiver. Je sais pas, peut-être l'âge qui fait que. Mais je sais que fut un temps, je détestais l'hiver. Maintenant, ça va. J'aime un peu toutes les saisons. On va dire que je me suis réconciliée avec l'hiver. Ce qui m'embête un peu, c'est que. Ben, en fait, en hiver, il fait nuit plus tôt. Ouais, c'est ça, moi, qui m'embête un peu dans l'hiver. En soi, moi, ça m'empêche pas de faire mes loisirs. Hein. Je vais arrêter mon fil là parce que. Hop! Mais ouais, l'hiver, c'est juste ça qui m'embête. Peut-être le froid des fois. Bah bon. Après, je me dis que de toute façon, il faut de tout. On laisse passer l'hiver et puis c'est bon après. Hein. Donc voilà les amis. Moi, je vais vous laisser là. Donc là, on n'a vraiment pas avancé beaucoup. Est-ce que vous voyez les points que j'ai faits? Ici, ici et ici. Donc quand je vous montre de derrière, ça fait pas beaucoup, mais on a avancé un petit peu. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté mes petites affaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!